événement Le Nouveau Siècle à Saint-André-d'Apchon. Bonjour. Bonjour. Alors, vous allez nous parler de vos nouveaux menus, vos nouvelles saveurs au restaurant. Alors, quelles sont ces nouvelles saveurs que vous nous avez préparées ? J'en bégaye tellement ça a l'air bon. Oui, bah, on a fait plein de choses cette année encore. Bon, cette année, parce qu'on change régulièrement nos menus, donc voilà. Après, on a travaillé, on commence à aller sur des produits un peu plus de printemps. On commence à accrocher un petit peu l'été avec des petites ratatouilles fraîches. On travaille beaucoup en ce moment le chorizo, c'est une grosse tendance aussi le chorizo. Alors que, comme moi qui n'aime pas trop le chorizo, comment vous pouvez me faire apprécier cette saveur ? Là, par exemple, il est piqué dans un blanc de pintade. On le transperce et ça donne un petit peu de parfum à ce blanc qui est un peu fade des fois. Donc là, voilà, ça le rehausse et ça fait un petit côté intéressant. Voilà. Alors, j'ai également vu sur vos menus la truffe. Oui, alors, la truffe. La truffe, comment vous la préparez ? Ben, la truffe, déjà, c'est la purée de truffe. Aux truffes. Ouais, la truffe, c'est la pomme de terre. Hein. Chez nous, on dit, chez moi, j'écoutais souvent, on va faire une purée de truffe. Donc j'ai dit, allez, ça va me rappeler un petit peu les parfums de mon enfance. Donc on fait une purée de truffe aux truffes. Hein. Pas la vraie truffe, parce que elle est, dans nos menus, nous, elle est encore un petit peu chère. On travaille une truffe de Bourgogne. Mais voilà, quoi, c'est un petit côté sympa. Quoi. Il faut s'amuser aussi un petit peu. Oui, il faut se faire plaisir. Voilà. Donc bah, écoutez, on vous retrouvera bien sûr au Nouveau Siècle à Saint-André-d'Apchon. On ira goûter la truffe. Hein. La truffe. Hein. Et puis, les riz de veau, et on a plein de choses comme ça, la viande de chez Gonin. Ah, vous faites aussi les grands classiques, hein, toujours. Il en faut. Merci beaucoup, à bientôt. C'est moi qui vous remercie, à bientôt.